Bonjour. Le mercredi des cendres marque l'entrée dans le temps du carême, mot qui veut dire 40. Dans la Bible, les grands gestes de Dieu se préparent au cours d'un temps de réflexion et de silence. 40 ans pour le peuple élu, 40 jours pour le Christ Jésus. Le rite des cendres nous rappelle notre condition de mortels et de pécheurs. Mais, aux yeux de Dieu, nos cendres, nos jeûnes, nos prières et nos rituels n'ont de sens que s'ils nous ouvrent à une vraie rencontre avec notre Dieu. La joie de Dieu, celle qu'il veut pour chacun, chacune de nous, vient d'un cœur qui rencontre le sien. Bonne célébration. Dire à partir de 4 heures, c'est bonsoir, mais j'aime autant dire bonjour. C'est un don plaisant de voir la clarté du jour se prolonger, en ce sens que nous sommes ensemble vers un printemps de Dieu. Alors, nous rentrons en carême, mais pour moi, c'est qu'on entre dans une montée vers Pâques. Alors, c'est très important de dire on s'en va vers un printemps dans notre cœur. Puis c'est un cadeau qui nous est donné de vivre un 40 jours qui nous permet de prendre le temps de faire le point sur notre propre vie. Je vais me présenter quand même pour dire, bon, c'est petit qui en avant, là, c'est je remplace Jean Piché, qui a eu quelque chose à faire pour d'autres choses. Et puis, moi, je m'appelle Laurier Moras. Je suis résident au Séminaire de Québec. J'ai été curé à Saint-Yves et Saint-Louis-de-France. Et puis là, je continue à œuvrer autrement avec surtout les gens de les itinérants. Et vivre et aimer. Alors, ensemble, qu'on soit de n'importe où. On est tous des beaux enfants, bien-aimés de Dieu, que nous nous rappelons en nous signant de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Alors, comme il y aura imposition des cendres, on va aller déjà à la prière, à la prière d'ouverture. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Avec la première lecture, déjà, on commence dans le sillage de la montée vers Pâques. C'est-à-dire que se laisser aimer par amour, parce qu'il va nous dire « revenez », c'est une question de cœur. Revenez avec votre cœur et laissez-vous aimer. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Dans notre montée vers Pâques, il y a quelqu'un qui nous accompagne, c'est le Christ. Laissons-nous nous rappeler par lui qui nous sommes.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité. Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi Mes frères et mes sœurs, le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme à chacun et chacune de nous ce soir, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen. Je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Je vais parcourir rapidement, j'espère, en tout cas, la parole de Dieu, notre nourriture d'aujourd'hui, à cette entrée de Carême, notre remontée vers Pâques. Premièrement, la deuxième lecture nous rappelle toute une responsabilité qui nous est rappelée, c'est-à-dire que chacun et chacune de nous, il vient nous redire que nous sommes les ambassadeurs du Christ. Nous sommes ses coopérateurs de Dieu.
Et il nous donne un peu la visée qu'on doit avoir pendant le temps, ou surtout du carême, les 40 jours, c'est de nous laisser réconcilier. Et c'est bien dit, là, je répète, parce que souvent on dit « réconciliez-vous ». Laisse-toi réconcilier par Dieu le Père et son Père. Ça veut dire, déposons-nous en Dieu pour se laisser réconcilier par lui, qui nous aime. Puis je dirais une affirmation très vitale qui se trouve dans la première lecture et qu'on reprend, c'est que pour accomplir tout cela, être des coopérateurs, d'être des ambassadeurs, bien, ce service-là, il faut que ça soit une affaire de cœur et non pas une patente ou des choses à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire, bien correct, mais non. C'est que nous sommes invités à se laisser réconcilier pour une affaire de cœur, de se laisser saisir par lui. C'est lui qui a l'initiative. Alors, tout comme Jésus, qui est rentré, comme on va voir ça dimanche, un peu qu'il s'en vient, qui est rentré au désert. Là, il y a eu trois tentations, après ça, là, il va commencer sa mission. Il n'a pas commencé de même sa mission. Quand il est arrivé au baptême, il lui a dit, « Celui-ci, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Donc, la montée vers Père pour nous, c'est se laisser saisir par l'amour de Dieu, comme le Fils, pour être capable justement d'accomplir un service à sa manière et à sa façon. D'où nos prières nous amènent et nos aumônes et nos jeûnes doivent être au service, au parfum de l'amour. Sinon, on a un problème. C'est-à-dire, comme il l'a dit, on rentre dans la gang d'hypocrites. De toute façon, on fait ça pour la galerie. Alors qu'elle le fait pour le cœur et pour une rencontre amoureuse. Alors d'où c'est extraordinaire d'avoir une montée vers Pâques, pour une plus grande résurrection dans nos vies, pour laisser Dieu faire prendre son initiative en nous, pour un meilleur printemps de Dieu rendu à Pâques. Oui, tout cela, c'est une affaire de cœur. Nous allons maintenant, si on accepte que ce soit une affaire de cœur, alors de se laisser convertir par la bonne nouvelle de ce Dieu qui vient en Jésus-Christ nous redire comment on est pour lui, collaborateur et coopérateur. On va bénir les cendres pour, si vous acceptez, alors que ce sera pour un geste concret de dire « oui, j'accepte ». D'entrer dans ce langage du cœur et de me laisser saisir par lui et de me réconcilier avec lui. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nous allons être marqués en signe de notre mise en route pour ce temps de carême. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilient et apaiser par ceux qui réparent leurs torts, prête une oreille bienveillante à nos prières. En ta tendresse, répands sur tes serviteurs et tes servantes qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction par leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous allons, avec une autre personne, passer, et ceux et celles qui veulent accueillir ces cendres comme un temps de conversion, un temps de réconciliation. Alors, la parole qui est dite à chaque fois, c'est « laissez-vous réconcilier, croyez à la bonne nouvelle ». Mais là, je le dis, et après ça, je vais mettre mon masque, et puis on va tout simplement
répandre, on ne peut pas vous toucher, répandre les cendres sur votre tête. Si vous voulez vous lever, nous allons faire la prière universelle ensemble. Nous ne sommes pas seuls à avoir besoin de conversion et de miséricorde. Rassemblons-nous dans le Christ pour supplier le Père, et après chacune des intentions, nous pourrons répondre au Père, écoute notre prière. Pour les pasteurs de notre Église,
afin qu'ils soient entièrement à l'écoute de l'Esprit-Saint et guident les croyants et croyantes sur des façons de répondre aux questions actuelles dans la fidélité à l'Évangile. Prions le Seigneur. Ô Père, écoute notre prière. Pour les personnes qui prennent soin des autres avec bonté, afin qu'elles obtiennent le soutien nécessaire dans la poursuite de leur engagement, prions le Seigneur. Ô Père, écoute notre prière. Pour les personnes qui sont tourmentées par le doute ou n'arrivent pas à faire le bien qu'elles désirent, afin qu'elles parviennent à trouver la paix, prions le Seigneur. Ô Père, écoute notre prière. Pour les membres de notre communauté appelés à se recentrer sur la foi de leur baptême, qu'ils s'engagent toujours davantage au service de leurs frères et sœurs et que Dieu leur montre sa bienveillance, prions le Seigneur. Ô Père, écoute notre prière. Alors, si vous acceptez, on va prendre un temps dans notre cœur pour présenter nos amis de l'Ukraine qui vivent des situations des plus pénibles et pour tous les dirigeants de cette terre afin qu'on puisse trouver la solution qu'il faut pour régler le plus harmonieusement possible ce conflit de guerre. Père de miséricorde et de tendresse, reçois maintenant la prière de ton Église comme tu as accueilli celle de ton Fils. Donne à ton Église l'espérance qui soutient sa conversion et sa pénitence. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Offrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant tes mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les baptisés engagés. Et souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et spécialement aujourd'hui pour notre frère Jérôme Boucher. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints,
qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et en toute confiance, nous prenons la montée vers Pâques pour justement qu'avec lui, on puisse découvrir un Père qui nous aime et qui prend l'initiative de venir à nous se réconcilier avec nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissons pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Esprit.
Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison. Et daigne bénir notre montée vers Pâques pour nous laisser réconcilier par toi. Que Dieu Tout-Puissant vienne vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors merci à l'organisme, aux chanteurs, aux bénévoles qui ont contribué. Alors, ça a été plaisir de venir présider ici parce que c'est tellement bien préparé. Alors, j'étais heureux d'être avec vous autres et de commencer ma montée vers Pâques pour un printemps de Dieu dans ma vie et dans la vôtre. Allons maintenant dans la joie et dans la paix du Christ. Amen.